Alright tout le monde, je suis Justin Hunter et on se retrouve à la suite de Legend of Zelda A Link Between Worlds. Donc là précédemment, man, on a fait notre premier temple et là on s'est laissé ici chez moi parce que ça me tentait, ben je trouve que c'est une belle place où se laisser là. Je faisais souvent ça avec A Link de Past, mais je vais aller parler aussi à lui. Salutations jeune héros, est-ce que t'as quelque chose à me dire? Qu'est-il? Comment? Quelle surprise, je ne savais pas que mon bracelet était magique. Ah oui c'est vrai, son bracelet nous a permis de marcher sur les murs. Tu peux te transformer en peinture murale? Jeune héros, je crois que je suis tombé sous ton charme. Je me demande si ce yoga pourrait me donner le même pouvoir. Non, 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 reprends-toi, Lavio. Tu peux finir transformé en simple graffiti et croupir tout seul dans un temple à peine éclairé. Oh non, pas de question que je m'inflige ça. C'est bien trop dangereux. Je préfère te laisser t'en charger, jeune héros. Ok. Non, je pense qu'il ne donne pas d'autres indices, hein. Non, ok. Bon, là, ça serait où aller? En haut ou en bas? Ah! Uli! C'est l'heure de rentrer! Elle cherche quelqu'un. Il n'est pas là, je me demande s'il est en train de jouer dans la forêt du sud. La forêt du sud. La forêt du sud. La forêt du sud. Gouli, c'est pas le petit kid qui nous a parlé la dernière fois? Oh! Ah oui, c'est vrai, le château. Je me demandais pourquoi c'était mauve de même. Gouli, la forêt du sud. Au début, je pensais que c'était Lost Wood, mais ça ferait pas de sens parce que la forêt du sud, tu peux prendre tout ça. Ah, il y a une flèche là. Ah, Jeff, est-ce que t'as vu Gouli? Il joue par ici. Non, il joue par ici d'habitude, c'est bizarre. Ok, il doit être au sens inverse de la flèche. Ah. Oh, c'est que c'est beau. Tu sais comment ça que c'est beau. Gouli! Où es-tu? Oh, mais cette sacoche! Où l'as-tu trouvée? Je te l'avais confectionnée pour que tu puisses utiliser plus d'objets à la fois. Gouli a insisté pour te la donner lui-même. Hein? Mais où est mon fils? Je dois vite aller en parler à mon mari. Jeff, prends cette sacoche. Pour pouvoir t'en servir. Nice! On va pouvoir avoir un item de plus. On va pouvoir avoir un item de plus. Honnêtement, là... Je suis curieux. J'ai goût d'aller voir, là, le truc de fortune. Ok. J'ai goût d'aller voir le truc de fortune. Juste pour... Ah, elle... Qu'est-ce qu'elle a, elle? À l'enclos. L'endroit rêvé pour les mordus de cocotte. Ah. Ah, ok, ouais. On peut avoir un piece of heart. On le fait-tu? On peut l'essayer. Les règles sont simples. Tu dois esquiver pendant 30 secondes les cocottes qui vont voler en tout sens dans l'enclos. Ok. Pour le niveau de l'œuf, ça te coûte 20 rupies. Rupies. T'es prêt? Alors, c'est parti. 30 secondes, c'est long aussi. Ah, ok, fuck, je l'avais pas vu lui. Ah, c'est de la merde. J'aime pas ça, c'ti. J'ai perdu 20 rupies. Regarde là. Non, je suis fatigué, ça me tente pas.
Peut-être plus tard, man. Peut-être plus tard. Là, ça me tente pas de gaspiller toutes mes rupies. Ils viennent d'en perdre 20, là. Pas bien bon là-dedans. Et... je sais pas si j'ai le goût de faire des sidequests dans ce jeu-là, man. Parce que le jeu, il est extrêmement le fun. Chef, ça faisait longtemps. Comment, tu te souviens pas de moi? Autrefois, j'attrapais plein d'abeilles. J'ai beaucoup changé depuis cette époque. C'est sûrement pour ça que tu me reconnais pas. Seule une abeille peut comprendre la façon de penser d'une abeille. C'est pour ça que je me suis déguisé. Ben, j'ai décidé de devenir moi-même une abeille. Bzzz. C'est que de l'air bizarre. Monsieur l'abeille. Ouais, c'est bizarre. J'ai une faveur à te demander. C'est un pop flacon? Ça pour une autre fois alors. Ah, faut que j'aille un flacon. Supposé avoir une shop, là, si c'est comme Link to the Past, là, supposé avoir une shop. Peut-être ici. Aïe aïe, je vais le prendre, j'ai pas le choix. C'est super pratique, je vais pouvoir mettre des potions et tout dessus. C'est un magasin. Un flacon. Bon, mais je vais aller voir l'autre. Je vais aller le flacon là. Ok, enfin. C'est vrai que tu attrapes des petites abeilles pour moi. Tu veux bien? Mais tu n'as pas de filet? C'est pas grave, je peux t'en prêter un. Merci. Il va me récompenser si j'amène des abeilles. Alright. Sorry. J'ai pas bu, ok. Ah shit, je peux pas y aller. Le dude là qui me disait mon futur là, il est où déjà? Je pense qu'il est juste là justement. Je suis curieux, j'ai le goût de voir qu'est-ce qu'il va me dire à propos du jeu. Je vois deux chemins. Quel est celui que je te parle? Les vents ou Hera? Hera, c'est la tour. Hera. Ah, je vois quelque chose. Je vois une maison au pied de la montagne et tout au nord de la forge. Tu devrais y aller. C'est tout pour les prédictions. Vois-tu la route que tu dois emprunter? Non. Ça te fera 20 rupies. J'en donne ça un autre pour savoir les vents. Il y a une maison au pied de la forge. Nah, tente pas, va chier. Il faut des rupies. Oh! Trompé de bouton. On va y amener tout de suite. Là, dans cet épisode-là, on explore, man. On apprend un petit peu sur le jeu. C'est qui, lui? Jeff, t'as déjà entendu parler de l'homme aux oiseaux? Il paraît que c'est un monsieur qui vit entouré de plein de petits oiseaux. Moi aussi, je voudrais bien être ami avec les oiseaux. Ah, t'as déjà trouvé un? Nice.
Me donne quoi? Une abeille d'or. Ah, là, je peux plus y amener une autre abeille. Ça t'es cool, mais arrête de donner une autre 50$. Je sais pas si je retrouve une autre. Tu me donnes 50$. Ah, si, j'avais même pas vu celle-là. Chris de con, c'est vrai, il y en a une dans le milieu de la place. Hein? Attends, c'est vrai, si, je peux aller sur les murs, moi, là. Là. Est-ce quelque chose que je peux aller sur les murs? Petit con. Oh, tabarnak! Nice! Stick, c'est hop! Hey, je me demande où est passé Maître Asphar. Oh! Mais si la princesse t'a choisi, si tu peux y arriver, je suis certain. Elle aurait pu me donner un indice ici. Là, je peux aller soit en haut, soit en bas. Je pense que j'ai le choix. Du verre là. Je m'appelle Aileen. Je suis une future sorcière bourrée de talent. Pour le moment, je ne suis qu'une sorcière normale, mais le talent viendra. Aucun doute là-dessus. On m'a dit que la bonne aventure, ce matin apparemment, un terrible malheur va s'abattre sur moi. Et si je veux changer le futur, je dois prendre soin d'un truc de couleur verte. Alors j'ai commencé à chercher, mais je voulais pas. Je voulais surtout pas d'un truc qui soit prise de tête, genre une plante. Mais toi, je pense que tu ferais l'affaire. Nice. J'ai donc décidé d'être gentil avec toi. Tiens, prends ça. La clochette. Pour appeler Aileen. Ah, je pense que ça va nous permettre de faire un voyage rapide. T'as déjà vu des girouettes, pas vrai? Fais sonner cette clochette et je t'amènerai vers l'une d'entre elles. Nice. Je ne fais pas ça de bon cœur, tu sais. Et les prédictions du 10 heures de bonnes aventures sont souvent justes. Alors, montre-toi coopératif, d'accord? Disons que c'est pour ton bien et mon futur. Bref, faut que je file. J'ai une course à faire à ma grand-mère. Allez, à plus. Au fait, ma grand-mère est experte en potions. Elle tient un magasin derrière le Palais de l'Est. Si un jour tu passes dans le coin, n'hésite surtout pas à aller voir ses potions. Je suis gentil, hein? T'as vu comme je suis gentil? Ouais, super cool. Man, fait que là, elle peut nous faire un déplacement rapide. Tu regardes, on va l'essayer tout de suite. Attends, avant, j'ai le goût de... Yes. Ouais. Fait qu'on va l'essayer tout de suite. Un Zelda, là, elle nous a dit d'aller voir la potion. Puis en général... Chez Mamie Magie. Fais gaffe, moi je suis rapide. Accroche-toi quand j'arrive. Ok. Ouais, c'est ça. En gros, elle nous a dit d'aller visiter sa mamie. Puis souvent, si elle nous dit d'aller là, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose qui va se passer. Oh, un abeille. Ok, je sais pas qu'est-ce que ça fait si je m'en vais. Ok, désolé, mais je vais reprendre ma clochette. Je me demande qu'est-ce que ça fait si je vais y redonner une, s'il me redonne 50$. Je pense qu'à pas. C'est d'aller se faire prédire son avenir. Si je suis perdu. Ouais, mais ça coûte 20 rupies, man. Malgré que je pourrais, j'ai quand même trouvé 100 rupies. L'abeille est ici.
Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait un coffre. Yeah, il nous donne tout le temps 50$. Ah, mais là, c'est facile de faire de l'argent, non? Nice, ok, ben, je vais aller voir le dude. Je vais aller voir le dude quoi faire. Il va sûrement nous donner un petit indice, mettons. Juste pour être sûr, on va le voir. Okay, il y a une maison au pied de la forge. Au pied de la montagne, qu'il avait dit, hein? Ah, je me souviens plus, man. Parce qu'il y a une maison au pied d'une montagne. Je pense que c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit au pied de la forge. Au pied de la montagne. Là, on était rendu au vent. Je vois quelque chose. Oui, je vois. Les Zora, le peuple de l'eau. Ah, dirige-toi vers la boutique de Mamie Magie. Aïe, aïe, dude. Dude. Tu sais, là, quand j'ai dit, là... Tu sais, quand j'ai dit, esti, là... Ah, elle nous a dit d'aller voir la shop de Mamie. Ça, souvent, dans Zelda, ça nous donne une direction où aller. Je m'en vais voir lui, qu'est-ce qu'il me dit d'aller chez Mamie. Dude. Ah, je peux plutôt... Ah, je sais pas que je peux faire ça. Dude. Wow. J'en reviens pas, man. Est-ce que je suis intelligent? Bon, ok. Ding ding ding. Mamie. Mamie magie. Qu'est-ce qui est le fun, cette Zelda-là, man? Ça, c'est le fun, gros. On s'aventure, on s'en va d'un point A à un point B. Ça va droit au but, j'aime ça. Le peuple Zora, direct lui ici. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Il était pas là, lui, la dernière fois, je pense. Il n'y a plus de pont. Un homme est arrivé tout à l'heure, il a sauté par-dessus le trou comme une gazelle. Moi, je pourrais pas faire ça. Si tu veux aller au village Zora, va falloir que tu nages. Quoi? Tu nages comme une pierre? Et moi aussi. On est bloqué. Alors impossible d'aller jusqu'au village. Ouais, mais attends, dude. Moi, j'ai un pouvoir magique. Ah, c'est quoi cette technique que tu as utilisée? Non, mon chum, là. Je me sens comme Goku quand je fais ça. Ici, il y a un coffre. Puis je dois sûrement être capable d'y accéder avec un mur. Et ça, tu peux assez haut. Je pense, admettons, je me mets à une bonne hauteur, là, comme ici, mettons. Ouch. Check ça, man. Je suis sûr que je vais l'avoir. Ça, c'est quelque chose, il faut que je m'habitue, man, que je peux marcher ces murs. Ah, ça prend de l'endurance! Je viens de remarquer. Ah! On a de la magie. Bien rupi. Fuck. Alright. Ben, au moins, ça nous a remboursé notre truc. Oh, qu'est-ce que la pancarte dit? Le village de Zora. Oh, c'est par là. Ça va bien. Je l'aime, cette map-là, man. La même map que Link to the Past, là. Je l'aime bien. Eau profonde, résonnoyable. Ouais, on ira pas là. Oh, c'est le dude à Kakariko. Kokoriko Village. Ah, il regarde devant toi quand tu marches. Hé, hey, mais c'est pas toi qui n'arrêtais pas de traîner au village? Dégage! Ah, la petite trou de cul. Oh non, votre majesté à l'aide. Tu sais, c'est beau, man. Check le jeu quand il est beau. C'est affreux. Sa majesté la reine. C'est terrible. Le secret de beauté de notre reine, la pierre toute douce, a été volée. Que va-t-il se passer si on ne remet pas la pierre toute douce dans la fontaine? Votre majesté. Elle est devenue assez étrange.
Elle a doublé de volume. Elle va finir par rester coincée dans la fontaine. Je ne peux plus sortir. Ah ben je sais, la reine est coincée dans la fontaine. Ça doit être rapport au dude. On va aller voir au village Cocorico. Ben, c'est là qu'on le voit la dernière fois. Oh, oh shit. On va te calmer, man. Ok, on va réutiliser notre cloche. Hop. Faut que je fasse ça pendant combien de temps au juste? je dois prendre soin à quelqu'un en vert. Je dois faire ça pendant combien de temps? Ah! Après, nous avons un stock super à l'article, viens voir. Cette pierre est tellement toute douce. Faut pas s'arrêter de la caresser. Ah bon, on l'a trouvé, Chris, elle est là. 200! Trop cher. Ah, c'est le dude! Ah. Ah, je t'ai déjà vu quelque part, toi. Eh oui! C'est toi que j'ai bousculé devant la caverne des auras. Ah, puis sauf. Ah, le trou de cul. Ah, je pense que je peux pas le rattraper. Ah, shit. Ouais, je pense que je dois le pogner. Ok, attends, je pense que j'ai compris quoi faire. On va utiliser notre, notre capacité d'aller ces murs. Okay. Je pense que c'est ça. Est-il là? Ouais, il est là. Ah, mais si je... Ah, il me voit. Même en haut, il me voit. Fuck you, man. Attends une minute. Ah! Yeah! Qui va là? Tu... Comment t'es arrivé là? Quoi, cette pierre était si importante que ça? J'avais entendu dire que je pourrais la revendre à un bon prix. Je suis désolé. Mais je l'ai déjà vendue à ce type. Moi, ouais, on l'a vu. Pensez à quel type? Le type là-bas. Moi, ouais, si on l'a vu. J'ai déjà dépensé tout l'argent qu'il m'a donné, désolé. J'ai fait vraiment n'importe quoi depuis que j'ai ces bottes. Elles me font courir si vite que je peux voler tout ce que je veux sans avoir peur de me faire attraper. Difficile de résister. Mais je recommencerai plus, promis. Tiens, je les file. On n'en parle plus, d'accord? C'est mieux pour tout le monde. Ah, oh, on va avoir les Pegasus. Les bottes Pégase, ouais. Ah oui, là on les a tout le temps? Nice. Oh. Qu'est-ce que je les aime, ces bottes-là. Ah, mais là, on n'a pas le choix, là. Faut les acheter, là. 200, ben, on va te le prendre, hein. Ils sont rendus pauvres. Là, on va retourner aux avants. Les auras vont me donner des flippers après moi. T'sais, j'ai même pas été voir, Rusty. Ouch. J'ai même pas été voir là le. Quoi? Ah mon Rusty. J'ai même pas été voir le temple où il fallait que j'aille. Mais je sais que, regarde, mettons on zoom ici là. Ben, je peux pas même zoomer dans cet endroit là précis, je pense. Ouais, je peux. Il est au milieu de l'eau. Fait que je pense c'est pour ça qu'on doit aller voir les auras, ils vont nous donner les flippers. Mais c'est la pierre toute douce. Dans la fontaine, jette-la dans la fontaine. Oui.
Oh. Votre Majesté, vous êtes redevenu comme avant. Est-ce toi qui m'as porté secours? Pardonne-moi d'avoir agi sans aucune retenue. Mon attitude était indigne de mon rang. Mon nom est Torlène. Je suis la reine des Auras. Je l'avoue. Non, sans embarras. La pierre est toute douce, mais devenue indispensable. Je te remercie de l'avoir retrouvée. J'aimerais te témoigner toute ma reconnaissance. Accepte ceci, je t'en prie. Et on va voir les flippers. Exactement ce que je pensais. Merci. Tu pourras nager comme un Zora. Ouais. Ah, il y a certains rebelles qui refusent de m'obéir. Fait que fais très attention. Ça veut dire qu'il y a des Zora qui vont être méchants, qui vont continuer à nous lancer des boules de feu. Ben, des boules d'eau, whatever. Là. Asti que c'est hot, mec. Regarde qu'il est cool ce jeu-là, il est fucking beau, man. Asti que je l'aime. Gros, fait que là on peut y aller. Ah, attends. Y a-tu un pont à quelque part? Dans Link to the Past, là, me semble, il y a un pont à quelque part. Ici, en dessous du pont. Ici, en dessous du pont, là, il y a quelqu'un qui m'avait donné un bol la dernière fois. Dans Link to the Past, il y a quelqu'un qui te donne un pot. Je vais aller voir si je vais pouvoir y aller. S'il m'a donné un. Genre, il doit... Le pad de l'Atlas, gros, la map est identique là, à Link to the Past. Fait qu'il doit sûrement avoir des similarités. Mettons, chez mamie, ça devrait être chill. Finalement, je sais même pas pourquoi que je l'ai pris pour elle. J'aurais pu juste nager tout le long. Ah, oh, c'est pas grave. On est là. On va. Regarde. Regarde, je pourrais juste sauter à la place. Ah, oh, on arrive au cimetière. Ah, le pont? Ah, c'est pas le bas, c'est pas le même pont, ça. Ah, des fois, on peut plonger par ici. Oh. Fais chier, toi, man. De la boutique de l'avio, location, objet pour les aventuriers à tout prix. Et notre boutique se trouve au sud du château d'Arrow. Ah, c'est chez nous, ça. Il a ouvert son château, son magasin chez nous. C'est ce qui est drôle. Terré, ce dude-là. Hey, ça tire dessus. Bye bye. Je sais pas aller sur le pont. Regarde, c'est ce pont-là où je dois aller.
Comment je fais pour y accéder? Ouais, je pense que c'est pas par là pantoute. Je pense que c'est vraiment par... Mettons, je vais ici. Par là. En bas, où est-ce que je dois aller? Puis je dois nager tout le long. Ouais, je dois faire le tour. Comme un Link to the Past. Cool, le jeu est similaire à Link to the Past, puis je trouve ça vraiment cool, man. Le jeu est différent, mais il est fucking nice. On a le côté de nostalgie, puis... Fucking cool. Ah, il est là, je pense. C'est le dude avec les oiseaux. Quand que le gars il a parlé de lui avec les oiseaux, j'ai tout de suite pensé à lui. Qu'est-ce que tu veux? J'étais en train de m'amuser avec les oiseaux. Tu détestes les oiseaux? Pas du tout. Ça me détend de voir, d'aller voir voler gracieusement dans le ciel. Moi aussi, j'aimerais pouvoir faire comme eux. Vous voulez quelque chose? Tu fais quoi? Tu es venu jusqu'ici pour discuter? Un flacon apporté par le courant. Un petit garçon. Quelle journée mouvementée. Mais rien de tout ça ne concerne plus désormais. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse tranquille avec les oiseaux. Il y a un flacon qui est arrivé sur lui. Tiens, prends-le et va-t'en. Yeah! On a deux bas, la star. On va pouvoir se ramasser de la potion. Ok, bon, mais on s'en va faire notre temple, là, je pense. Là, je pense qu'on va pouvoir y aller. Seulement et tout qu'on fait nager plus vite. Si j'ai juste le goût d'explorer, man. Amène-nous ça. Ah, ça fait le tour. Oh. Ah, il est là le temple. Là, on a quelque chose. On a faire un truc, faire du vent. Et je le sais d'où. Il nous faut quelque chose, faire du vent en fait. Puis ça, ça veut dire qu'il faut que je retourne chez nous. Chez moi. Depuis qu'elle nous a donné la cloche, mon chum, là, oui, oui, c'est bon, je t'ai attendu. Tu sais, j'ai une vie moi aussi. Il faut que j'aide ma grand-mère. Elle nous a donné la cloche pour nous venir en aide. Si finalement, on n'a pas de l'appeler tout le temps, de comme allô, allô. Hey, check out, il a mis son petit signe pis tout. Ah, tabarnak, ok? T'en as fait rentrer. Jeune héros, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je n'ai pas réussi à trouver le logement digne de ce nom. Et c'est pas ma faute d'avoir cherché la bonne. C'est que j'ai réaménagé ta maison. Qu'en penses-tu? J'ai fait une nouvelle boutique, hein? Honnêtement, oui. Ça va être pratique, là, pour elle. Oh! Ça ne s'est pas bien passé là-bas? Mais l'objet que je t'ai prêté, t'as été utile, n'est-ce pas? Tu sais. J'ai encore tout plein d'autres astiques en réserve. Quelque chose me dit que tu en auras plus de besoin plus tard. Écoute, j'ai une proposition à te faire. Tu me prêtes ta maison et moi, je te prête de l'équipement qui te sera utile dans ta quête. Ben oui, c'est vraiment une bonne idée de génie, ça. De toute façon, t'es jamais chez toi. J'ai pas raison. Puisque nous sommes d'accord, si je t'expliquais un peu comment ça va fonctionner. Voilà,
Tu trouveras dans ma boutique des articles de, location qui te seront utiles pendant ton voyage. Et c'est de la location à vie en plus. Valable jusqu'à ce que tu casses ta... Que tu tombes au combat. En cas d'événement tragique, c'est mon bon ami Shiro qui se charge des retours. Pas de stress. Toi, tu t'écroules en toute simplicité et nous, on charge la formalité déplaisante. C'est simple comme bonjour. Comme tu peux le voir, en plus de l'arc, j'ai d'autres objets disponibles. Si tu vois ce qui t'intéresse, appuie sur A. Ouais. Allez, c'est... C'est une baguette de tornade en promotion aujourd'hui. Si tu veux louer cet article, ça te coûtera 20 rupies. Ben oui, c'est fou. Ça fera bien attention, d'accord? Merci. N'hésite pas à repasser nous voir, d'autres chez nous, Sticite. C'est ma maison. Demeure des vents. Dis donc, il faut prendre soin de toi et il se passe rien. Je me demande si c'est vraiment toi, le truc vert de ma prédiction. Enfin, c'est pas grave. J'aime bien papoter avec toi. Ah cool, elle est pas si méchante que ça finalement. Alright. Bon. Ah oui, c'est vrai, je peux mettre... Oups, trop de boutons, c'est celle-là si je veux. Ok. Non, toi il fallait... Non. Hop. Hop. Alright. Et voilà, man. Hey, nous autres, on va cesser là-dessus. Je vais aller sauvegarder. On est rendu à notre deuxième temps, finalement, man. Gros, ça se passe fucking bien, man. C'est le fun. Tout le monde parle. Ah, gros, le jeu, il était écœurant, man. Ah, si, il était écœurant. Gros, j'aime ça. Il jouait, là. Ça n'a pas de sens. Je suis accro. Alright, man. Fait que nous autres, on cesse là-dessus. Attends, je vais mettre ici. Restez à l'écoute. À la prochaine. Ciao.